L'alphabet. L'alphabet français se compose de 26 lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Notons que notre alphabet est divisé en 6 voyelles A, E, I, O, U, Y et 20 consonnes. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble que veut dire l'ordre alphabétique et comment le faire. Pour ranger ces mots en ordre alphabétique, on doit premièrement regarder la première lettre de chaque mot. Chemise commence avec un C. Jupe commence avec un J. Pull commence avec un P. Et on cherche dans notre alphabet. Quelle lettre vient en premier? En premier, on a trouvé le K avec chemise. Et puis, on a trouvé J, donc c'est jupe. Et après, on cherche pour le P avec pull. Et voilà, on a rangé la liste. Qu'est-ce qu'on fait donc si on a trouvé deux mots qui commencent par la même lettre? Comme dans notre liste, lion, girafe et lama. Le mot lion commence avec un L et le mot lama aussi. Je cherche dans ma liste, je vais trouver que la première lettre qui vient en ordre, c'est la lettre G avec le mot girafe. Et puis après, je continue à chercher, je trouve la lettre L. Mais comment faire? Je vais mettre lion ou bien lama? Ici, je regarde la deuxième lettre. Et là, le A vient avant le I. Donc, je commence à écrire lama et puis lion. C'était tout pour aujourd'hui. Merci.